Oui. Ah, incroyable. Allez, avec énormément de retard, je lance cet enregistrement. Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo de l'angoisse encore une fois sur The End is Night. Cette fois, on va faire les cartouches, on va essayer d'en faire un maximum pendant cette session, durant cette vidéo. Donc, les cartouches sont divisées en plusieurs... Oui, plusieurs styles, c'est-à-dire que les premières qu'on voit ici sont en fait des, je crois, des cartouches où il faut faire le jeu en entier, enfin le jeu de la cartouche bien sûr, qui consiste en une dizaine d'écrans. Vous le voyez avec certains objectifs, donc finir le jeu avec plus de 50 rings, donc anneaux. Finir le jeu sans continuer, sans continue, pardon, et finir le jeu avec le 100%. A priori, quand on aura fini ça, ça nous permet de gagner des vies qui nous permettront de faire derrière, eh bien, le dernier niveau, à savoir Nevermore. Voilà. Et donc, on va faire ça, et puis vous verrez qu'après, eh bien, il y a d'autres. Voilà, vous voyez, il y a d'autres cartouches démoniaques où il y a juste finir le jeu tout simplement parce qu'on a une vie pour faire les 10 tableaux. Et après, bon, après, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, les plus perspicaces et qui viennent d'arriver remarqueront qu'il manque la dernière cartouche, tout simplement parce qu'elle se trouve dans le niveau que nous n'avons pas encore fait. Donc nous serons obligés de revenir ici, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire au mieux. Et donc, c'est parti, tout de suite, on attaque avec Mortman. Alors, en gros, ça reprend un petit peu de ce que j'ai vu. Ah bah ça commence bien. Ça reprend un petit peu les niveaux qu'on avait vus dans le jeu principal. Seulement les tumeurs sont remplacées donc par des petits anneaux. Et ça commence bien. Et l'idée, c'est bien sûr de faire comme dans le jeu original. Et je vais pas y arriver, c'est fou ça. Mais non! Alors attendez, je suis pas chaud. Putain, il dit ça à chaque fois. Vous croyez qu'il se fout de notre gueule? Ah, c'est possible. Alors, pareil, hein, c'est pas parce que... Ah merde, c'est pas parce que c'est un jeu en 8 bits que... Eh bien, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de nuance de saut, tout ça. Bravo. Quel talent! Alors, on peut aussi s'accrocher au bord et je fais de la merde. Quoi? D'accord, ça commence bien. Ah, j'ai cru que j'étais mort. Alors. Bon bah voilà. On a déjà les 50 anneaux. Bravo. Alors. Ah, lui, on le rattrape tout de suite. Non! Non, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. On peut pas mourir. On peut pas mourir ici. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me saler. Je m'en fous, y'a personne. Ah! Non, j'en ai raté un. La dextérité dans le doigt, hein, toujours. Grosse dextérité. Fingerienne. Fingerline! Mon dieu. Cette blague de mauvais goût. Ah bien, ah oui, alors là, par contre, le trou était magnifique. Mais qu'est-ce que... Putain, j'ai cru que j'allais me prendre les pics. Heureusement, la lucidité de cet homme a permis de pallier... au pire. Merci pour le perso. Ah mais si, mais je sais que tu es là, tu es toujours là. Hey no. Là où on ne t'attend pas. Mais non, mais personne ne regarde les replays, voyons. Mais non! J'ai encore failli tomber dessus. Bon, on est au niveau 6, hein, c'est toujours un de plus. Mais putain, mais c'est pas possible. Scheiße. Mais pourquoi?
Non mais c'est pas possible. Là c'est pas possible. Reprends-toi, reprends-toi. Mais je refais la même, hein. Putain. Mon anal. C'est bon. Bravo, bien évité. Je le sens pas là. Si je saute, je pense que je vais me bouffer. Non, c'est bon. C'était voulu, bien sûr. Hein. Putain, faut pas que je fasse le con, j'ai plus de vie. Bravo. 1-8. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. J'ai toujours cru en moi. Non, quel gros con. On recommence, on recommence, on recommence. On n'a pas le droit de mourir. Allez, c'est la dernière fois que je fais le jeu sans... Enfin, que j'essaye de faire le jeu sans continu. Si jamais j'y arrive pas, tant pis. Bravo. Allez. D'accord. Ok, là c'est bon. Ça, on peut le passer si on fait pas du caca. Voilà. Alors. Là on attend que ça passe. Voilà. Bravo. Tout ça pour ça. Je me déteste. Oh le bâtard. Ok, alors on évite de faire la même connerie. Bravo. Hop, mais allez, accroche-toi. Oh non, j'ai voulu aller trop vite. L'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma... Chut, tais-toi. Bravo. Au moment où j'ai appuyé, je me suis dit que j'appuyais un peu trop fort sur la touche. Il s'avérait que oui. Bon. Mais c'est pas possible. J'ai effleuré la touche. Allez, 9, on peut le faire. Non. Allez, le 10e. Allez. C'est donc, comme j'ai dit, hein, tant pis. Oui, joli rattrapage. Alors là, par contre, il va falloir utiliser tout notre savoir-faire. D'accord. Quel savoir-faire, incroyable. Quelle dextérité dans le poignet. Mais... possible. Bon. Au moins on l'a eu. On peut aller à la fin. Comment ça, je suis une mauvaise foi? Pas du tout. Voilà. Ok, Mortaman, c'est fait. Pas à 100% effectivement. Vous voyez, il me restera donc, et il faudra que je fasse finir le jeu
sans continu, attaquons maintenant Blaster Massacre. Bon, j'imagine que les petites têtes bizarres, faut pas les toucher, hein. Avec ces petits remix 8 bits en fait, c'est sympa. Putain, je me suis dit que j'allais me le prendre. Alors, on retrouve en fait vraiment les environnements du. Putain, les environnements du jeu. Bah, du jeu, tout simplement. Alors. Oui, oui. Bravo. Oh la purée, lui, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu, je l'ai vu. David les a vus. Oui, alors là, on peut aussi tomber plus vite. Oula. Oula. Mais je me suis fait... mais c'est... Attends. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, j'ai sauté trop fort, là. Il prend tous les risques. Mais c'est quand même un gros con. Mais allez! Oh non! Vas-y, mais saute-lui sur la tronche, hein. Vraiment. Mais... Et là, ça passe. D'accord. Wow, Molokaira, hein. Molokaira, putain, je suis concentré là. On y va, on y croit. Nom d'un petit bonhomme. Ah, niveau bien sympathique, ma foi, encore. J'ai cru que j'allais mourir ici. Allez, Jean-Pierre. On est passé pas loin du massacre là. Ok, là c'est pas mal. Ah bah voilà. J'ai eu peur. Une peur stupide, hein, mais j'ai eu peur. Ok, hop, hop. Ouais, ça c'est cool. On n'est pas obligé de tout refaire. Cool, cool, cool. Et salut Tom, comment vas-tu? Merde. Oh putain. Oh la vache! Ah, t'es fatigué? Moi aussi, figure-toi. Et ce n'est que le début. D'accord, maintenant faut remonter. Ok. Attends, mais comment tu... Mais arrête de sauter dessus, comme un mongolo. Mais j'ai déjà utilisé mon continu. What? Mais attends, comment je passe là?
Non! J'ai glissé. Non! Allez, on recommence. Blaster Massacre. Bâtard! Voilà, au premier tableau, cet homme meurt comme un caca. Explication. Ça tourne mal. Non, fais pas le con, Johnson, fais pas le con. Bravo. Dextérité, la douceur d'un poignet. Oui, oui, bravo. Alors lui, on va attendre qu'il passe. Ok. C'est top. Ah ouais, mais semi-inconscient, non, c'est dur. Je fais quoi avec mon poignet? Je fais tellement de choses. Je fais tellement de choses que du coup, je ne peux pas le dire. Bah du coup, là, super, on a réussi du premier coup. Ah! Non! Mais c'est pas possible d'être aussi con. Putain, on a droppé 70 frames. 78 frames. Incroyable. C'est le jeu qui est trop gourmand du coup pour la connexion internet. Et du coup, trop de graphismes à afficher. Bien sûr, un jeu en 8K. Alors attention, attention. Oui, d'accord. Non! Non! Bravo. Non, en fait, ouais, il faut... Voilà, c'est ça. Il faut un bon dosage de la fatigue, exactement, Tom. Si t'es trop fatigué, autant te dire que le jeu devient tout de suite très compliqué. Hein. Tu vois, il faut à la limite, en plus, il te faut des réflexes de ninja pour y jouer. Trop de puissance dans les scanlines, exactement. Ça bouge trop vite. Ah non! Bien sûr, un jeu fait sous Unreal Engine. Attention, on attend que ça passe. Tac. Ah là, on a réussi. Attention, on repasse de l'autre côté. Bravo. Allez, dernier écran, on y va, on y croit. Non. Là, j'ai paniqué. Oui, vous saurez tout de ma vie sexuelle. Mais quel con. Mais, arrête. Ça commence à se voir. Ah, lui, il est plus lent. Donc forcément, je me le prends, hein, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Mais quel gros mongolo! Oula! Oula! Ben voilà! Ouh! Blaster Massacre, c'est fait. River City Rancid. Zwiii! Ah, oh, super! Il manquait juste
le niveau aquatique qui va bien. Bon ouais, je les enchaîne, hein. Là je les enchaîne. À un moment donné, faut qu'on arrête. On verra pour le 100% plus tard. Fuck it. Mais bordel! Ah, j'imagine qu'après va y avoir l'eau empoisonnée aussi. Oh le jeu! Ah non le jeu! Ok. Ça, ok. La physique est pas mais merde, la physique n'est pas totalement la même que dans le jeu, le vrai jeu. Je me déteste, hein, vraiment. Il faut que je me transforme en poisson. Pense poisson. Saloperie. Je suis un poisson. Je suis un sanglier, tu es un sanglier. Ah et en plus maintenant on a deux. Ah mais c'est parfait ce jeu. Ah putain, il y a une petite. Ah la petite inertie de merde. On est à quel tableau là? Ah oui quand même. 3-6. Ok. C'était chaud. Ok. C'est pas grave, on l'a eu. Ah. Huit, il me reste de vie. Oh là là. Oh le niveau de l'angoisse. Allô, c'est par où? Non. Être obligé de refaire le mini-jeu. Non. Non, je me refuse à cette éventualité. Oh la vache, à peine le temps. Oh là là. Bouette. Allez. C'est parti pour la crampe. Cette fois on le fait. Cette fois je le sens bien. Oui. Alors si vous trouvez que oui, je joue un peu trop à ce jeu, ne vous inquiétez pas. Un tout nouveau jeu dans un style totalement différent arrive dès jeudi 21h. Oui, ça va être bien. Et sur une console qu'on a encore, merde, jamais fait justement pour YouTube. Et d'ailleurs qu'on ne fera pas pour YouTube. Eh oui, haha. Tout simplement parce que maintenant mes rediffs seront uniquement sur Twitch à partir de du prochain jeu qu'on va faire. Voilà.
Vous êtes prévenu, YouTube. Mais merde! De toute façon, c'est pour regarder un mec jouer mal. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais pourquoi je passe là? Mongolo. Je sentais que j'allais me faire piéger. Et je n'avais pas voulu y croire. Oui, oui, oui. Ah. Allez, la partie la plus intéressante, bien sûr. Mais... putain d'inertie à la con. C'est pas moi, c'est le jeu. Non. Il a pas voulu sauter, salaud. Allez, 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 allez. On y va, on y croit. Ok, ok, ok. Non ! Ah ! Oui, oui, oui. Ok, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris, t'inquiète. Bon, au moins on les a eus. Mais c'est pas possible, j'ai fait exactement le même saut. Le jeu sous ma gueule, clairement le jeu sous ma gueule. Allons, respecte-moi. Mais tout à l'heure ça passait, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Contre des tétons. Ah, parce que les tétons, je pense que... voilà. Ça ne fait pas partie de ses... de ses préférences... sexuelles, sans doute. J'ai déjà utilisé mon continu, je crois. Ah, chier. Ah, je sens pas ce passage. Mais pourquoi je veux... contre un pic. Enfin, contre un téton. Mongolo. Oh merde. Allez, il faut qu'on fasse au moins 3 cartouches. Allez, allez, allez. Merci le jeu d'avoir été sympa pour une fois avec moi et de pas considérer que j'étais touché. Ah. Voilà. Non, mais pourquoi? Monde de merde. Monde de merde. Hé, hey, les PD! Une lettre pour vous! Allez, bonne bourre! Ah là là. La classe américaine, hein. Grand film, hein. Ah, si vous n'avez pas vu encore ce monument du cinéma français, franchement, foncez-y. Oh oui. Oh, belle action. Joli jeu de jambes. Incroyable.
C'est bon. Pas de panique. J'ai paniqué. Non, mais... Ok. J'ai sauté. Je te jure, j'ai sauté. Là, par contre, pas du tout, hein, on est d'accord. Attends, comment j'avais fait pour l'attraper lui tout à l'heure? Alors pas comme ça, non, clairement. Je perds la boule. Et la mémoire. Mais ça c'est pas nouveau ça. Alors, elle existe cette remasterisation, Tom. Il me semble que sur internet, tu as la version 4K qui existe. Pas 4K, non, Blu-ray. La qualité Blu-ray, il me semble que tu peux la trouver. Ou alors, non, il y avait un problème, je crois qu'il y avait certains films qui n'étaient pas encore sortis en Blu-ray, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu, ou en DVD, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu finir la masterisation. Je sais plus, il y a un truc avec cette histoire de... C'est ça. Ouais, enfin, n'empêche que ça donne... Moi, j'aime bien la version de base, parce que je trouve que ça lui donne un cachet qui est vraiment particulier et qui rentre pile poil dans le délire du film, quoi. Allez, concentration. On a déjà utilisé notre continu, on est au niveau 9, il en reste un après. Non! Il m'en manquait un. Je veux mes 100 anneaux. Là, franchement, j'ai pas envie d'y passer 3 plombes sur cette partie-là, des cartouches. Monde de merde! Toujours. Ouais, par contre, le boulot, ouais, il est quand même ouf. Il y avait un plan sur une horloge dont personne ne sait de quel film elle vient. Celui où il dit... Quand le... L'ami de George... Putain, l'ami de George est en train de parler avec les filles, je crois, c'est ça. Il est midi, là. Putain, sur le premier tableau, quoi. C'est pas sérieux. Ah, et salut Carnock. Alors, comment ça se passe, les cartouches? Eh ben, tu vois, j'en suis à 3ème. J'essaye de faire le... Donc, le 100%... Enfin, le 100%. Au moins, avoir tous les anneaux sur les cartouches. Et il s'avère que... c'est pas gagné. J'en suis à la 3ème. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'émotion. Allez, hop, oui, bravo. Ah, oui, bravo. Non, le téton. Mais bordel. D'ailleurs, j'ai réussi à le passer du premier coup. Et là, je meurs en poule. C'est l'effet 4K. Merde. Oh mais non, mais là, c'est criminel, là, ce qui se passe. Arrêtez. Arrêtez, les gens vont me juger. Bon, de toute façon... Mais... Putain, mais... C'est pas possible.
Mais non, en 4-4, tu restes si tu veux, bien sûr, c'était une petite blagounette. Je me déteste. Mais au moins, j'ai les anneaux. Allez. Allez, hop. Qu'on fasse une autre cartouche après. Quoi? Mais... Ah merci. Au bout d'un moment, fallait y aller quand même. Hein. J'ai sauté trop tôt. Oh là là, là 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 là. Niveau 8. Merci. Allez, celui-là, on fonce. L'énervement est à son paroxysme. Ah! Eh ben salut 4K, merci à toi d'être passé. Et à la prochaine. Ah bah voilà. Oh l'angoisse. Allez, on peut le faire. Allez. Non, mais putain de... Mais non, il est en train de regarder l'ami forgeron. Ah non, je peux pas mourir ici. Ah non, hors de question. Hein. J'en ai marre. Mon Dieu. On va y arriver. Allez, envoyez-moi toute votre cosmo-énergie. Allez, un dernier essai. Et après, on fera une pause. Je pense. On arrêtera la VOD, en tout cas. Ah, oh, ah, oui, bravo. Ensuite. Mais putain, mais pas au deuxième tableau, sans déconner. Ah. Ah, merci Tom. Merci de lever les bras si haut pour moi. Pour toucher le ciel. Oh putain, j'ai tellement cru que celui-là, je me la prenais en pleine poire. Mais là, on est sur les cartouches simples. Ah, imaginez ce que ça va être sur les cartouches les plus dures. Je sens déjà... comment dire, la joie m'envahir. Comme dirait Jafar, extatique. Nul, zéro. J'aurais même envie de rajouter bit. Ah, mais pas de soucis, Tom. Merde. Du coup, je fais de la merde. Oh, mais on est au niveau 5 et il me reste plus que 3 vies. Oh là là, ma vie, c'est tellement de la merde. Non, mais... Allez, on se reprend. Allez. On se reprend. Voilà. Vas-y, reset, faux départ. Mais non. Mais non. J'ai confiance en ma capacité d'adaptation.
Ça, c'était normal, hein, bien sûr, vous le savez maintenant. Ouais. Allez, concentre, on se concentre, on se concentre. Allez! Merci. Allez. J'ai sauté trop tôt, tatalitater. Et là, j'ai pas sauté du tout, là, en fait. Non! J'hésitais. Faut pas revenir en arrière, faut pas revenir en arrière. Je vais aller manger une table, ça va me calmer. Allez, deux vies pour finir ce niveau. LOL. Oh putain. Bon. C'était donc pathétique. Merci YouTube d'avoir regardé, hein. Ça valait le coup, bien évidemment. La prochaine fois, on continue quand même. On va continuer. Je coupe la VOD ici, et mais bien sûr, je reste en live. Des bisous, ouais. Grand moment, hein. Top.